Meg. Meg, non. Désolé, petit. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Si je le peux. Nous étions si prêts! Si prêts! On s'est fait coiffer sur le poteau, pourquoi? Parce qu'un petit démon a voulu agir noblement. Meg. Regardez qui est là. Super mal. Toi, t'es trop, toi. Laisse-la partir. Oh, se calme. Viens avec moi, je vais te faire visiter. Tiens, tiens, comme l'autre monde est tout petit, hein? Meg! Ah, non, 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 pas touche. Tu vois, Meg gravite dans un autre monde maintenant, mais qui manque un peu de vie, je dois dire. Tu veux faire un marché? Prends-moi la place de Meg. Le fils de mon immortel ennemi disparu pour toujours dans la rivière des morts. Une fois. Y aurait-il un os là-dessous? Deux fois. D'accord, oh, non, non, d'accord, 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 d'accord. Tu as gagné, elle part, tu restes. Oh, en fait, j'ai oublié de te dire, tu seras mort avant que tu puisses la rejoindre. Ça te pose un problème? Mais c'est impossible! Tu ne peux pas être en vie à moins que tu te sois, hein! Adieu! Hercule! Arrête, tu peux pas me faire ça, tu ne peux pas me... Bon, d'accord. D'accord, bien, je l'ai mérité. On peut parler. Non, ton père, c'est un bon vivant, pas vrai? Alors peut-être pourrais-tu lui laisser un mot pour moi, et comme ça, il passerait l'éponge sur cette histoire, tu vois. Mec, parle-lui juste un peu, quoi, hein? Éloignez-vous de moi, ne me touchez pas! Non mais ôtez vos sales âmes infâmes de l'âge! Il sera pas joyeux quand il sortira d'ici! Dis plutôt si il sort d'ici! Si c'est bon ça! Je me sens pas bien, je tombe, je planche ma vie!